Galactor, c'est celle-là? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Coronavirus, c'est quoi ça? Vous avez fait plus de courses que d'habitude ou quoi? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Vous avez fait plus de courses que d'habitude ou quoi? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Je crois que je l'avais déjà vu. Ils sont quand même cons, les gens, je veux dire, pendant la crise du coronavirus. Vous avez pris plus de courses que d'habitude, j'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. On va quand même analyser ce qu'elle a dans son coffre. Elle a pris n'importe quoi, bah, elle a pris des chips, des endives, de la salade. Y a rien qui va dans ses courses, gros. Y a rien qui va. J'ai pris ce que je pouvais, quoi. Ouais, c'est ça. C'est trop ça. D'accord. Non mais attendez, par contre c'est une parodie ça. Où il y a vraiment Peppa Pig en version arabe. C'est une parodie les mecs ou ça existe vraiment genre... C'est une vraie question. Ça existe vraiment? Un chien dévale une porte en Égypte. Ouais non mais ça c'est une connerie gros. C'est une connerie, attends, c'est une connerie. Bah, je crois. Bah, j'espère. C'est une connerie, gros. Ouais, c'était pas une connerie. Oh, la qualité, elle est merdique. Mais attends, c'est pas possible, gros. Regardez comment il est parti. Il est parti comme une étoile de ninja. Mais non, les mecs, c'est un montage. Dites-moi que c'est un montage. C'est vrai, ça? Ou c'est un montage, les mecs? Attendez, là, parce que là, on va partir sur un debunk cash, mais c'est pas... J'y crois pas, moi. C'est possible, hein? Le chien, il part comme une étoile de ninja. Moi, je pense que c'est un montage. Franchement, je pourrais pas vous le dire comme ça tout de suite, mais je pense que c'est un montage. Regarde comment il dévale, gros. C'est possible, ça. Il y a moyen. Ouais, mais lui faut qu'il arrête de jouer. Lui faut qu'il arrête de jouer, mon gars. Qui c'est qui a envoyé ça, les mecs? Jonathan Plouf, RIP MP4. C'est encore John qui a envoyé ça. C'est quoi ça? C'est qui? C'est quoi qui parle derrière? J'arrive pas à voir. C'est quoi qui parle derrière? J'arrive pas à voir ce qu'il dit. J'entends pas derrière. C'est quoi qui dit derrière? Y a que John qui peut nous le dire. C'est quoi qui dit derrière? Vous êtes vraiment des enfoirés parce que ça c'est pris dans les extraits de mes vidéos où je tombe par exemple des scraps ou j'en sais rien tu vois. Genre des poyaux. Ça il y a moyen que ce soit extrait d'un poyau tu vois, il y a carrément moyen. C'est Bouyakam ça dans une vidéo de Minecraft modée en 2018. Ah mais ok d'accord. C'est Sofiane qu'on entend derrière. J'arrive pas à voir ce qu'il dit. J'arrive pas à voir ce qu'il dit. Il avait dû me pousser, ce bâtard. Je suis sûr. Je suis sûr, il a dû me pousser, franchement. Je suis dans les bois. Je fais caca. Je fais caca. C'est même pas lui qui me fait rire. C'est son rire. Faut pas acheter les habits qui sont fabriqués par des gosses dans les usines du Bangladesh qui s'écroulent et qui prennent feu parce que les coutures tiennent pas. Elle est tellement dégueulasse. Elle est dégueulasse, franchement.
Non mais gros, c'est un montage, déjà il joue pas à ça. Il joue pas à ça, c'est un montage. Oh, mais comment qu'il est chaud en vrai le mec qui joue à ça. Sauf que c'est pas lui. Oh là là, eh hey, franchement, putain, j'ai tellement envie de réessayer le jeu quand je vois ça. Wow. Et en vrai, le mec qui l'a fait, il est super chaud. Avec sa tête là. Wow, c'est chaud mon gars. Il est bien ce jeu, je sais plus comment il s'appelle, mais je sais plus franchement. Montage, oui, mais respect le mec qui a tryhard le jeu, ouais c'est ça. Non mais attends, mais Galactor, non mais il est connu celui-là. Gros, elle est connue, mais elle est... En même temps, elle est collector. Ouais, les filles, vous inquiétez pas, c'est moi, Shumi. T'inquiète, ça va le faire. Accrochez-vous, mes gazelles. On va prendre un virage serré. Tu sens déjà que le mec, il n'est pas bien derrière. Moi, ce qui me fait rire, les mecs, attendez, parce qu'on... Déjà, on va la regarder une première fois en entière, mais on va l'analyser. On l'a déjà analysé, de toute façon, on l'a déjà analysé. On l'a déjà analysé, mais bon. Moi, ce qui me fait rire, les mecs, vraiment, déjà, bon, c'est qu'il fait trop le show, voilà. Et c'est là, c'est au moment où il tombe comme un saumon, regardez, comme un saumon. Regardez. Regardez le saumon. Crac. Regardez ça. Attendez, il faut qu'on se la fasse en 0. En 0,5, c'est pas mal, 0,5, je pense. Regardez, regardez le saumon. Regardez, il craque. Ses deux bras, mon vieux, ils sont tombés le long de son corps. Ça donne quoi en 0,25? J'aurais bien voulu l'avoir en 4K, celle-là. Il n'y a pas la qualité... C'est quoi? Ah, 480, putain. Toujours des pépites comme ça, de toute façon, il n'y a jamais la qualité. Ça mérite de se filmer en 4K, ça, tu vois. On l'a vu plusieurs fois dans tes vidéos, mon Jojo. Bah, on l'a vu plusieurs fois, celle-là, c'est clair. C'est mieux ça, collector. Regardez quoi. Le mec derrière en bleu, il est pas bien. Comment tu... Regarde. On sent que là... Attends, là déjà, voilà. Là, on sent qu'il est parti en couille. On sent que... Attends, là, ça va. Là, il a atteint le point de non-retour. Et il le sait. Il le sait qu'il a atteint le point de non-retour. Il le sait. Il est tombé comme une carpe, mon gars. La grâce de la truite d'hiver. Alors attends, je vais pas écouter 4 minutes de ça, mon gars. C'est lui. Ouais, on l'a vu tout à l'heure, Galactor, celle-là. Oh, yes. Yes. Eh, n'empêche, les mecs, si quelqu'un arrive à me retrouver l'original, c'est-à-dire à quoi joue ce mec, parce qu'on pourrait le mettre sur n'importe quel jeu, en fait, hein, ça marcherait, on pourrait le mettre sur n'importe quoi, hein, tu vois. J'adore parce que c'est quand même bien calé, tu vois. Et par contre, tu vas te détendre, mon gars. Attendez, parce que là, quand même, je vous pose une vraie question. C'est vraiment quelqu'un qui joue à un jeu vidéo, ça? Putain, mais s'il vous plaît, mais retrouvez-moi l'original. D'accord, ok. C'est ok. Elle est pas mal. Oh, l'attaque des titans. Je vais vous montrer comment je pète. C'est quoi ça? C'est... Alors, franchement, bon, c'est marrant, mais je trouve ça dégueulasse. Parce que bon, après, voilà, je veux dire, c'est comme ça. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est des gamins, malheureusement, tu vois ce que je veux dire? Et qui se mettent sur YouTube, tu vois, voilà, font des vidéos comme ça. Et ils finissent dans des mèmes au final, à leur insu, tu vois, ils finissent dans des mèmes à leur insu. Faut quand même que je vois, l'original. Il y a deux mois, Nono. Eh, hey, franchement. Bonjour. Je vais vous montrer comment je pète. Voilà.
La dernière, c'est quand même une chiasse bien carabinée, les mecs. Hein. Qu'est-ce qu'il nous a fait encore, John? Ça, c'est moi, ça. Jonathan pour MP4. Il a fait des tonneaux dans les airs. On aurait dit Iron Man. C'est vraiment l'enfoiré, John. Il a fait des tonneaux dans les airs. On aurait dit Iron Man. J'arrive à me faire rire tout seul, c'est dingue ça. Oh my gosh! What do I do? Je m'attendais pas à la fin. Je me demandais, mais qu'est-ce qu'il a voulu faire? C'est quoi le délire? Il a voulu faire quoi en fait là? Oh my gosh! What do I do? Elle est pas mal, franchement. Non. Alors là, je vois ce qu'il veut faire. Mais tu peux pas faire ça, gros. Je crois que le mec, là, il est en pleine mer. Et il a acheté, vous savez, les espèces de bâtons, là, pour filtrer l'eau, là. Comme en survie. Genre, tu bois dans les flaques d'eau, dans les rivières. Mais tu fais ça avec de l'eau douce, pas de l'eau de mer. Je crois pas. Ok, ok. C'est vraiment des bâtards. C'est vraiment des bâtards. On dirait pas Boudère. Vous connaissez Boudère? Laranja, acerola e mel. Uma doçura. Attendez, il y en a une autre. Il y a la version 2. Vamos nos hidratar. Uma água de coco pra gente tomar. Il est marrant quand même, j'aime bien. Ouais. Pascal le grand frère dans Rocket League. Vas-y, passe-toi, je suis énervé là. T'as insulté ta mère. Attends, tu vas voir. Attends, je suis trompé route. Moi, j'étais mort. Putain, je suis énervé. Oh, merde. Il est chaud, Pascal. Il est chaud, Pascal, mon gars. Non, non, bah non, bah, je connaissais pas. Je m'attendais pas à la fin.